Today, the judges listen to the last candidates as the stage karaoke each. And as this karaoke phase ends, the candidates come back with the songs they have composed. So, here they come with your art. Come on, I want to see your hands together. Your plans for me, the power that works. Ooh. Ooh. Say, and God is able to do just what He says He will do. His wonderful peace, every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. Hey, come on. He's able. Say, God is able to do just what He says He will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. God is able to do just what He says He will do. He is wonderful peace, every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. Able. Hey! He's able. Thank you. Ça, c'était une prestation du tonnerre. Ouais, tu es bien rentré dans la chanson. Mais seulement, je voudrais que dans ton expression, tu sois un peu plus varié, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais sinon, j'aime bien l'énergie que tu as sur la scène. Thank you. Harry. Yes. Congratulations. Thank you. You have a beautiful voice. Glory be to God for that. Thank you. Great energy on stage. Thank you. I can see by the way you're standing that you feel able. So able. Amen. So, continue comme ça. Thank you. Mais essaye de gérer au niveau de des montées. Quand tu montais et quand tu poussais, ça criait un peu trop. Donc, essaye de gérer avec le micro, ok? C'est le seul bémol que moi j'ai eu un problème. C'est-à-dire que tu étais présent sur scène, tu es vraiment bien, mais ne sature pas le micro. Ça tue la magie que tu es en train de donner, ok? Thank you. Oh,
Hold to Jesus, be glory, honor and praise, majesty, kingdom authority, flow from his throne unto his son, his kingdom come. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, strive the King. Oh, majesty, worship his majesty. Worship his majesty. Oh, unto Jesus be your glory, honor, and power. My majesty, worship his majesty. Jesus who died and rose again, King of all kings. Lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ the King. Oh, majesty, worship his majesty. Oh, Jesus was died, now glorified, his kingdom come. Jesus was died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Thank you, Lord. Ouais, là, tu as... C'était une belle chanson, tu l'as bien chantée, mais... Moi, tu n'as pas... En fait, c'est comme si tu ne savais pas quoi faire. Donc c'est tout ce que je te reproche, là. Donc, en fait, ça, c'est la chanson. C'était pas très artistique, ton attitude, quoi, tu vois. Bon, si tu étais en train de prêcher, oui, ce serait ça, oui. Quand tu parles, tu as... Mais là, pour un concert, c'est, moi, ça ne l'a pas fait, quoi. C'est tout. Mais sinon, tu chantes très bien. J'aime bien comment tu chantes. Merci. I have the same problem with the other member of the jury, is that... You're standing, singing majesty. What else? Il faut proposer autre chose. La voix, la belle voix ne doit pas être le seul paramètre qui va faire que notre prestation soit dégustable et très bonne à l'oreille et à la vue. C'est-à-dire que c'est le même souci que certains autres candidats. Quand tu fermes les yeux, tu es satisfait. Dès que tu ouvres les yeux, tu vois quelqu'un qui est debout, qui fait la main comme ça. Au début, c'est bien, mais au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Tu vois, tu as une très belle voix, mais si on te laisse là 5 minutes, tu deviens ennuyeux. Et c'est ce qu'il faut essayer de travailler, ne pas être ennuyeux. Il faut que quand tu adores, qu'il y ait quelque chose d'autre qui se dégage au-delà de la voix. C'est le seul travail que pour moi, voilà. Et puis aussi, improvisation. C'était plat. Il y a eu quelques moments, oui, tu as essayé certains choses, mais moi, je suis restée sur ma faim. J'attendais mieux, j'attendais plus, mais tu as très, très bien chanté. Eh,
je pourrais. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, tout tes larmes qui traduisent mes silences. Et tes gars, et là, tes sangs pas que qu'on voulait. Yes, yeah, tu me voulais, que qu'on voulait, que qu'on voulait. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que babon tu es volé, comme l'argile devant le potier, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Oh oh. Bébé bon, tu es volé. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. La paix que tu disais. Oui. Pour la paix. J'aimerais que tu m'expliques le contexte de la paix dans cette chanson où tu es en train de dire à Dieu qu'il transforme ta vie, que ta vie soit un parfum d'adoration. La paix, surtout dans cette chanson. La paix parce que je voudrais, en fait, je suis un instrument pour Dieu et je voudrais qu'il m'utilise pour qu'il y ait la paix dans ma vie et même dans le monde, dans le Cameroun, parce qu'aujourd'hui nous sévissons les bombardements de la secte qui est en cours. Okay. Je voudrais que Dieu m'utilise pour cette paix. Dans ce cas, donc, lorsque tu décides de modifier les paroles de la chanson, il faudrait le faire avec un tact, de manière à ce qu'on puisse suivre tes idées. Sinon, si tu jettes juste la paix, on ne comprend pas forcément ce que tu veux dire. Sinon, bonne prestation. Merci. Louez l'Éternel, car il est bon. Down.
puni. Je te louerai parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Et tu ne gardes pas tout ici. Tu t'es trop retenu. Oui. Tu as lâché, mais on sentait que si la fille si se déchaîne comme ses cheveux détachés là, quelque chose va se produire. Je ne sais pas je pense, oui. C'est-à-dire que ta prestation était très bien. Merci. Mais prochainement, lâche-toi. D'accord? D'accord. Ne casse pas les planches de la scène, mais lâche-toi, ok? Our project. Mountains.
worship you, to adore you, to praise you. We need you to be here with us, Lord. Continue to bless our country, Cameroon. We are so proud to be your children. Continue to bless us. Raise your children up, Jesus. Amen. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up the more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Bonsoir Ricardo. Bonsoir. De A à Z, clean. Merci. Mais, standardiste. Mais, c'était clean à la façon de X ou Y lambda. Où était Ricardo dans la chanson? J'ai été très honoré dans la chanson à l'instant où je l'ai prise. Et c'est un hymne. C'est un hymne populaire. Je me vois mal venir dire bonsoir. Je vais chanter, je vais faire l'hymne du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. En fait, je voulais respecter. En fait, tout moi aujourd'hui, ce soir, voulait être dépouillé de tout ce qui peut encombrer cet hymne fort et puissant que j'affectionne particulièrement. Voilà. Ok, merci. Très belle réponse. Non, il a de la répartie. Seulement, ici, nous sommes à un concours. Ça veut dire que quand on te donne un hymne, il faut trouver les moyens de donner au jury la possibilité de te retrouver dans l'interprétation. Il faut que You Raise Me Up soit à la sauce de Ricardo. Que Ricardo respecte l'hymne, mais que lorsque les gens ou le public vont écouter cet hymne-là, qu'on sache que cet hymne a été chanté par Ricardo. Qu'on n'ait pas l'impression que c'est Josh lui-même, mais avec une voix haute ou bizarre. Et c'est là où tu tires ta carte du jeu, ton joker, tu comprends ce que je veux dire? Tu as très bien chanté, mais moi, l'originalité m'a manqué. C'est-à-dire que, par exemple, la partie où tu t'es mis à parler, ça aurait pu être en langue. Moi, je ne sais pas, moi, il fallait ajouter quelque chose de toi. C'est vrai que c'était de l'improvisation, mais c'était platonique. C'était bon, mais il manquait. Moi, je voulais ça. The Project, c'est pour trouver le Camerounais qui va avoir un album qui va être dégusté par les autres et qui sera reconnu comme le Camerounais. C'est-à-dire, on rêve d'une louange qui, lorsque elle sera chantée hors du Cameroun, on dira, c'est une louange camerounaise. Tu vois, et ça commence par là. Que quand on interprète, que l'interprétation est ta marque.
déposer. Voilà, sinon le reste. Merci. Follow the project next Friday, 9:30 to 10 p.m. Only on CRTV. Your dream, our dream.